Nous allons vous présenter le jeu de notre partenaire BioViva qui s'intitule BioViva Junior, le jeu naturellement drôle. Il est conseillé à partir de 5 ans et il y a plus de 130 défis pour découvrir le monde. Alors la boîte elle est toute petite, c'est idéal pour l'emmener partout. Donc à l'intérieur, il y a donc les règles du jeu qui sont toujours chez eux très claires, nettes et précises. Ensuite, il y a un plateau puzzle. Alors là, c'est idéal pour que chaque enfant situe les continents. Il y a 3D en bois où les autocollants sont fournis pour que les enfants les collent sur les faces. Ensuite, il y a 4 planches milieu naturel et continent. Il y a 128 cartes qui sont ici. Ensuite, il y a 24 points Viva. Alors à la fin de la partie, il faut que chaque personne ait 7 camemberts. Ensuite, il y a des pions gouttes d'eau de 4 couleurs différentes. Voilà, avec les petits pions qui vont avec, de la même couleur. Et donc, ce jeu se joue soit à 2, soit à 3, soit à 4 joueurs. Alors, il y a 3 types d'épreuves. Alors, la première, c'est celle-là, qui s'appelle les merveilles de la Terre. Donc là, par exemple, on est tombé sur la girafe. Donc, sur la carte milieu naturel et la partie continent, il faut que chaque personne mette les 3 jetons là où il le souhaite. Donc, est-ce que la girafe vit dans l'eau, en forêt tempérée, forêt tropicale? Voilà, après en Asie, en Océanie, en Europe, en Afrique. Et donc, après, donc, soit les enfants, pour les enfants, c'est plus simple. Les enfants ont donc un point Viva à chaque bonne réponse. Par contre, les adultes, s'ils donnent une mauvaise réponse parmi... alors, soit on met 1, 2 ou 3 petits jetons. Si un adulte donne une mauvaise réponse, il ne gagne rien. Par contre, un enfant, même s'il donne une mauvaise réponse, il a une bonne réponse il a un point par bonne réponse. Ensuite, oui, alors pour cette partie-là, ce qui est bien, c'est que voilà, ça explique derrière. Il y a des indications pour mieux comprendre la carte. Voilà, pour voir les forêts tropicales, forêts tempérées, pour savoir vraiment où chaque animal se situe. Ensuite, il y a les cartes vertes qui sont ici. Alors ça, c'est zoom sur le monde. Alors, donc, celui qui pioche cette carte-là doit trouver le plus vite possible sur la planche puzzle où c'est. Alors là, par exemple, tiens, Lucas, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu penses que ça, c'est sur le puzzle? Voilà, donc c'est à celui qui le pose en premier. La réponse est juste derrière. Et oui, t'avais bien... Ouais, t'avais bien vu. Donc, le premier qui pose et qui a la bonne réponse remporte un pion Viva. Et ensuite, les dernières cartes, c'est les cartes avec le petit lapin. Alors là, ça se corse. Alors, en fait, pour savoir quelle carte vous piochez, c'est vous lancez d'abord ce dé. Voilà, donc soit vous tombez sur ça, soit vous tombez sur ça. L'endroit c'est mieux, ou alors vous tombez sur celle-là. Alors, si vous tombez donc sur la carte avec le lapin, donc il y a 2 autres dés. Alors, pour les adultes, il faut utiliser les 2 dés. Par contre, les enfants, soit ils peuvent ne pas les utiliser, ou alors ils choisissent un dé sur les 2. Alors là, par exemple, je suis tombée sur l'ours polaire. Donc... on va expliquer les dés. Donc, je vais d'abord commencer celui-là. Alors, c'est pas le tout de mimer l'ours polaire. Soit vous le mimez en train de se déplacer, soit vous le mimez en train de chercher à manger, puis en train de manger. Soit vous le mimez... il est où? Vous mimez l'animal... Je l'avais trouvé. C'est celui-là. Mimez l'animal, se prépare à dormir, puis en train de dormir. Ou alors, en faisant vous faites l'animal en rencontrant d'autres animaux. Et si vous tombez sur celle-ci, le joueur mime librement sans situation imposée. Ensuite, il y a l'autre dé. Donc là, pareil, sur cette phase de dé, le joueur mime librement sans contrainte imposée. Ensuite, soit il mime... il est où? Voilà. Vous réalisez le mime au ralenti. Soit vous faites le mime en marche arrière. Soit vous faites les bruitages. Soit vous faites une pause sur image en privilégiant les poses rigolotes, et soit vous mimez le bébé de l'animal. Voilà, donc c'est quand même, c'est marrant. Il y a vraiment beaucoup d'énigmes à faire. Voilà, il y a plusieurs cartes sur chaque paquet. Alors, donc pour si vous jouez à 2 joueurs, c'est le premier qui remporte 10 petits camemberts qui ont gagné. Par contre, si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, c'est 7 points Viva qui vous fait remporter la partie.
Alors, donc, on va commencer. D'abord, c'est celui-là. Hop. Et donc, c'est au joueur le plus âgé. Là, ça change. C'est pas le joueur le plus jeune. C'est le plus âgé qui commence. Donc là, c'est le papa des loulous. Donc, il tombe sur le point d'interrogation. Alors, attends. Tiens. Je sais plus si j'ai mis derrière. C'est la girafe, faut la mettre. C'est la girafe. C'est la girafe. Ouais. J'ai oublié de le mettre en dessous. Tiens. Voilà, donc il ne doit pas la montrer. Il doit la garder pour lui prendre pour l'instant. Et quand il se décide, il pourra la montrer à tous les joueurs. Prêt. Alors là, c'est le kangourou. Alors. Il vit où le kangourou? Il vit où le kangourou, Jules? Est-ce qu'il vit dans l'eau, en forêt tempérée, forêt tropicale, prairie et savane, montagne, désert, neige et glace? Tu mets un petit pion là où tu penses qu'il Alors, vit. Alors, je vais mettre là. D'abord, on s'occupe de ça. D'après toi, il habite où ici? Il vit où le kangourou? Où est-ce que tu penses qu'il vit? Je sais. Oui. À côté de la plage. À côté de la plage. Vas-y, donc dans le désert. Et après, où est-ce que tu penses qu'il vit? Est-ce qu'il vit en Asie, en Océanie? Sur la carte, où est-ce que tu penses qu'il vit? Parce que là, tu vois, t'as mis le jaune. Le jaune, c'est le désert, tu vois. T'as là. Où est-ce que tu penses qu'il peut être? En Europe. Donc, t'as mis en Europe. Et en Amérique du Nord. D'accord, alors moi, j'ai fini. Je vais mettre... Bonne question. Je vais mettre là. Hop. Voilà, une fois que tout le monde a mis ses petits pions, on va retourner pour avoir les réponses qui se situent derrière. J'ai mis donc prairie et savane et j'ai mis aussi Océanie. Voilà, prairie. Donc toi, t'as 2 points. Prairie, savane. Et voilà là. Cette fois-ci, t'as pas de points. Voilà, t'as pas de points. Toi, Lucas, t'en as combien? 2. Il y a 2 points, moi j'ai 0. Et moi aussi. Oui, vu que t'as une erreur. Voilà. Hop, allez, on continue. Donc là, c'est à moi de lancer le dé. Je te crois pas, Gilles. Alors, pareil, point d'interrogation. Hop. Alors, oula. Alors, vous êtes prêts? Sahara, le Sahara. Alors, Sahara, Jules, où est-ce que c'est? Regarde la photo. C'est où? Le Sahara. Bien. Le Sahara. Et où est-ce que c'est le Sahara, d'après toi? En Afrique du Nord. Là? Oui, ça, c'est le désert, mais après. Dans quel continent? Là, sur la carte. C'est où? C'est celui-là? Là, ou c'est celui-là? T'as déjà rempli, toi, Lucas? Oui. C'est peut-être celui-là? Ou peut-être là. Non, là, t'as déjà répondu, là, en haut. Là, il faut que tu répondes en bas. Là, il faut que tu dises en bas où ça peut être, par exemple, ici, mon Jules. Par exemple, ici, mon Jules. Par exemple, ici. Voilà. Alors, maintenant, on va retourner. Yes! Bien! 1 point pour Jules, 1 point pour Lucas. Et non, 2! 2 points pour Jules, 2 points pour Lucas. Alors, moi aussi, j'ai le droit à 2 points. 2. Et moi aussi, j'ai le droit à mes 2 petits camemberts. Et papa, non? Ah oui, pardon! Merci! Toi, t'es puni. Voilà! T'es puni. Après, c'est à toi de lancer le dé. Vert. Alors, oulalalalalalalala. Alors, Jules, c'est cette carte-là. Attends, ne cherche pas avant. Regarde, Jules, la carte, là, ça montre un endroit sur le puzzle. Prends ton pion goutte d'eau. T'es prêt? Il faut que tu retrouves sur le puzzle où il y a cette image. T'es prêt? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Je dirais là. Et toi, Jules, tu dirais où? À côté de toi. Ah, il me pousse. Et toi Moi, je sais, c'est là, mais il a été plus rapide que moi. Et donc, alors, qui a la bonne réponse? C'est Lulu. Donc, t'as 1 petit point. Merci. 4. C'est ça, t'en es à 4. Plus que 3. Non, je suis à 5. 5, plus que 2. Et ben, alors, c'est à qui de lancer? À Jules. Non, c'est à Lucas. C'est à Lucas. Allez, Lulu. Un petit mime. Ouais.
Tiens, je te donne ta carte. Et je dois aussi faire ces dés. Alors, tu veux faire avec les dés ou pas? Oui. Ou tu peux faire qu'avec un seul dé, hein. Là, ça... Ouais, mais là, t'en as deux, là. Bah, il peut choisir après, au pire. Ouais, allez. Alors déjà, il faut que tu retournes ta carte pour que tu saches que tu dois animer. Ça, c'est faut qu'il fasse une pause. Alors là, c'est la faire finir son mime avec une pause sur image en privilégiant les poses rigolotes. Et l'autre, c'est mimer l'animal en train de se déplacer. D'accord. Donc tu choisis quoi ? Soit tu fais l'animal en train de se déplacer, soit faut que tu fasses une pause rigolote quand tu mimes l'animal. Une pause sur image. T'es en mode pause. T'arrêtes. Est-ce que j'ai le droit de changer avec aucun des dés? Je fais ce que je veux. Oui, bah oui. Oui, t'es idiot, c'est pour les enfants, c'est pas obligé d'utiliser. Ok. Alors, tu sais, voilà. Alors. Comment tu vas venir? À quatre pattes. Et je vais venir en train de courir et en train de chasser en même temps. Donc. Fais quand même doucement. Hein. Je sais pas comment faire. Mais là t'es libre, donc ouais, tu peux faire les bruits qu'il fait, tu peux. Oui. Oh bah les bruits, ça je vais me trouver direct. Vas-y. Oh Lilo. Ouais. Un point pour Jules. Bravo Jules. Tu donnes la carte. C'est à toi de lancer le dé. Moi. Non, c'est à papa. Toi, c'est premier mot. Vert. C'est ça. Prenez vos gouttes d'eau. T'es prêt, Jules? Ouais. Alors, vas-y, tu peux montrer la carte. Alors, avec un. Oh, crotte. Oh. Tu veux pas à côté? Je vous en prie, venez, hein, partons en voyage. On va aller en voyage en famille. Si j'ai bien... Oh, tu m'as poussé. Oui, mais si j'ai bien compris, c'est voyage en famille, quoi. Vas-y, c'est bon. Ouais, c'était ça. Tiens. Alors, hop, c'est qui a le pion jaune? Bah, c'est toi. Yeah. Voilà. Oui. Alors, c'est à moi de lancer le dé. Ah bah encore une autre. Vous êtes prêts? Prenez votre pion goutte d'eau. Attention, c'est ça. Voilà. Ouais, du plus rapide. Allez, voyage en famille, allez. Allez, un pion pour moi. Moi je dirais que c'est pas trop... Attends, retourne. Retourne-le. Et si. Si, tu vois. Ouais, avait raison. Allez, c'est à Lulu. À Jules de lancer le dé. T'as pris ton point? Oui, ouais, ça y est. Bah, attends, tu lances, déjà, faut voir. Si tu tombes sur les mimes. Non. C'est pas les mimes. Alors. Ok. Alors, les pyramides. Elles se trouvent où? Oh. Ah. Les pyramides. Où est-ce qu'elles se trouvent, les pyramides? Il y a quoi tout autour d'elles? Là, il y a quoi là? C'est quoi autour? Donc, c'est. C'est de l'eau? Une boule. C'est du sable. Une boule. Du sable. Voilà. Vas-y. C'est là, sable. Oui, c'est là. C'est dans le désert. Et ensuite. Attends, ouais, attends. Et dans quel continent? Attends. Celui-là et... C'est lequel où il y a le plus de sable? Regarde, là, t'as un... T'as un chameau. Regarde, un dromadaire. Regarde, là, t'as un dromadaire ou un chameau. Enfin, t'as un truc à bosse. Où c'est qu'il y a un animal avec une bosse? Par ici, par exemple. Où est-ce que tu retrouves? Tu vois, là, ici. Le monsieur, il est sur un dromadaire ou un chameau. Je sais jamais qui a une bosse ou l'autre. Chameau. Donc, c'est deux bosses et dromadaire, c'est un. D'accord. Donc, il est sur un dromadaire. Oui, mais il faut que tu mettes sur ta carte. Sur ta carte. Le même pays, il est où? Sur là. Oui, bah vas-y, sommez-le. C'est sur la carte, c'est pas là. Là, faut que tu mettes là-dessus. Le pays, il est où que t'as montré celui-là? Il Vas-y, est où là sur tes petites vignettes dessus. Là. Vas-y. Faut que tu mettes. Voilà. Maintenant, on va retourner pour voir les bonnes réponses. C'est bon, tout le monde a fini de les mettre. Oui. Et ben voilà. Bravo Jules. Toi, t'as deux le points. Le désert et l'Afrique. Tu as deux points. Et toi, Lucas, tu as trois. Deux. Non, deux. Bah si, le monde dans le monde entier, ça veut dire que y a aussi, ça compte aussi. Mais non, tu vois, il n'y a pas écrit monde là derrière. Donc là, t'en es à combien? 1, 2, 3, 4. Bah, ça y est. Il a 7 c'est points. Lucas qui a gagné.
Et toi, t'avais combien de points? 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'en avais 3. Et moi, 3. Voilà. Bah, là, j'en aurais eu 2 de plus, ça m'aurait fait 5. Regarde. Bah, tiens, je te les donne. Et ben voilà, donc c'est Lulu qui a gagné. Bravo, mon chouchou.